Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a l'amitié, la sincérité, l'honnêteté, la loyauté. Y a un truc qui est parti, ça peut être quelqu'un. On va regarder ça. On va regarder. Certains, il y a un truc qui, il y a un truc qui va faire que revenir dans votre vie, d'accord? Ça peut être un message, ça peut être une intuition, ça peut être une synchronicité, ça peut être une idée, ça peut être un rêve. Et on a l'impression ici que si ça revient, c'est pour que vous puissiez comme faire un pas en avant. Ici, et c'est bizarre. Non, il y a un truc qui est pour toi là. Il y a un truc, c'est sûr, c'est pour toi. D'accord? Il y a quelqu'un que tu as perdu qui voit qu'il y a un truc qui est pour toi. Et que tu dois encore ou tu dois recommencer une démarche ou tu dois partir dans une direction. C'est ce qu'elle dit en fait. Il faut que tu ailles dans une direction où tu refasses une démarche. Donc il y a une synchronicité, un rêve, une idée, un ressenti, une pensée, un truc qui va venir, revenir et revenir pour que tu puisses refaire une démarche parce que tu es passé à côté d'une personne ou d'une situation ou de quelque chose qui est pour toi. Voilà. C'est drôle parce qu'elle insiste, cette personne. On a l'impression ici, sur le moment, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça revient. Donc ici, il y a un truc qui va vous interpeller. Pourquoi ça revient? Il faut que tu puisses être attentif ou attentive et te demander pourquoi ça revient parce que j'ai l'impression que cette personne, elle ne va pas te lâcher tant que tu n'auras pas compris en fait. D'accord? Bon, elle ne va pas me lâcher déjà, mais elle ne va pas te lâcher non plus ou elle ne va pas arrêter de t'envoyer des choses parce qu'il faut que tu comprennes. Alors, c'est un truc, c'est important, tu dois comprendre. Une fois pour toutes, tu dois comprendre un truc. Donc, une synchronicité, un rêve, une idée, une envie, quelque chose qui revient, c'est pour que tu puisses recommencer une démarche associée à la synchronicité. Moi-même, je ne comprends pas. Je pense que toi, tu vas comprendre. Mais on a réellement cette sensation, pour certains, c'est comme si un jour, alors moi, je te donne ce que je vois. Un jour, tu as fait un rêve. Suite à ce rêve, tu as fait une démarche. Quand tu as posé la démarche, ça n'a pas fonctionné. Là, le rêve y revient. Tu dois reposer une démarche et cette fois-ci, ça fonctionne. On t'aide à mettre quelque chose en place dans ta vie. On veut à tout prix que tu comprennes ça. Moi, je ne peux pas comprendre. Tu vois, on a l'impression que c'est entre vous. Je ne sais pas ce que vous vous dites les deux là, mais on a réellement l'impression que c'est entre vous. Donc c'est comme si c'est toi et la personne qui essaie de te faire passer le message là, qui vous êtes que les deux à comprendre ce qui se passe.
Ouais. Ici, on a quelqu'un qui est, tu sais, Jean, je suis engagée pour ta personne et tant que je ne vais pas te voir réussir ou engager ou t'engager avec une personne ou tant que je vais pas voir ta situation s'améliorer, je vais pas te lâcher et elle va pas te lâcher. Ça va revenir. Donc ici, on nous dit prépare-toi, d'accord? Il y a un truc qui revient. D'accord? Une possibilité, une ouverture. Il y a un truc qui revient vers toi. Ça peut être une personne. Parce que pour certains ici, c'est ta personne en fait. D'accord? C'est une personne avec qui tu es censé être. C'est une personne avec qui tu es censé t'engager. Et pour certains, j'ai l'impression que ben, vous le savez en fait. Vous le savez, sauf que la première fois, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas, c'est trop bizarre ça. Ouais. Et on vous demande d'ouvrir les yeux. Genre, tu comprends. Alors toi, tu es censé comprendre ce qui est en train de se passer ou ce qui est en train de se dire. Parce que peut-être t'as demandé un truc quand on t'envoie un message. Mais on a réellement une situation pour certains où. Enfin, c'est comme une seconde chance. De mettre une situation en place et une situation qui a échoué dans un premier temps. D'accord? C'est un truc qui n'a pas fonctionné. Et pour certains, c'est comme si on savait que cette seconde chance, elle allait se représenter parce que là aussi, on l'avait vue. Tu vois? C'est ça. Je sais pas. Moi, je comprends. Toi, tu sais, toi. C'est toi, parce que c'est pour toi. Donc, tu sais. Tu vois? Ouais. On a une situation pour certains qui a échoué. Parce qu'on n'avait pas de sous. Vous n'aviez pas de sous, on n'avait pas les moyens de quelque chose. Du coup, ça a bloqué. Alors, pour certains, on a bloqué seul, d'accord? Je vais bien m'exprimer. On a bloqué seul nos chances de se lancer dans une relation sentimentale avec une personne. Parce qu'on n'avait pas de sous. Donc, c'est comme si. On s'était sacrifié, c'est pas grave. J'ai pas de sous, je peux pas t'apporter ce dont tu as besoin, j'ai trop de blocages dans ma vie de manière générale, donc du coup, pars seul ou fais ta vie, mais je vais pas te suivre. Parce que je suis trop dans le mal, en gros, c'est ce qui s'est passé. Pour certains, vous étiez dans une période un peu complexe, et plutôt que d'embarquer une personne dans une situation complexe, donc plutôt que. De décider de construire quelque chose avec elle, alors que c'était un peu complexe pour vous au niveau des finances, ben vous avez décidé d'abandonner et pourtant c'était une personne qui. Vous vous êtes sacrifié. Pour ne pas mettre l'autre dans une situation complexe. Et du coup, cette personne, vous voyez, ben elle est partie avec une autre. Elle est partie avec une autre. Sauf que la situation. Attends. Ouais. C'est bizarre. Elle est partie avec une autre et la situation, elle va s'effondrer. Mais c'est quelque chose dont vous avez déjà rêvé. Et vous connaissez les causes de l'effondrement ou de la fin de la situation pour certains. Moi, je suis largué. C'est vous qui connaissez, c'est ton rêve. Vous avez rêvé d'un truc. Et si on nous dit que dans le rêve, ben, c'est comme s'il y avait tout ce qu'il fallait. On a réellement une situation pour certains où on vous a donné énormément d'indications par rapport à ce qui se préparait pour vous. On était en train de vous montrer qu'une situation sentimentale allait se retourner en votre faveur. Sauf que c'est mon cerveau ou c'est mon inconscient ou il y a un truc à l'intérieur de moi qui a envie de voir ça se passer. Donc du coup, je suis en train de l'imaginer cette situation, mais c'est pas ça. Tu vois, c'est comme si on se disait ça. Donc on s'est sacrifié ou on a
empêcher une personne de venir vers nous parce qu'on n'était pas bien. D'accord? Ou parce qu'on n'était pas dans une situation, j'ai envie de dire, adaptée. D'accord? C'est vraiment ça. Pour certains ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait trop de blocages, tu vois, au niveau des finances. On était dans une période où on n'était pas forcément bien, et du coup, on l'a repoussé. C'est vraiment ça. Donc ici, pour certains, on nous dit, ça retourne. Prépare-toi à poser une démarche ou à faire un pas en avant. C'est comme si ça serait. Là, c'est comme si le bon moment, il arrive. Je ne sais pas le bon moment, pourquoi moi-même, je ne comprends pas. Tu vois? Mais ici, pour certains, on nous dit qu'il ne faut pas, vous voyez, qu'on se cache ou qu'on s'empêche d'aller dans la direction qui. Tu sais, la direction. Enfin, le truc qui arrive là, cette opportunité. Je ne dois pas m'empêcher, je ne dois pas me cacher. Donc, je dois laisser mes peurs de côté. On a la tranquillité. On a le souhait, on a l'instabilité et on a le retour. On a réellement cette sensation ici que pour certains, c'est un rêve, un souhait, un vœu, un truc qui se réalise en fait. On a réellement cette sensation que c'est. Tu sais, moi, j'ai eu le temps de me détacher de ça, quoi. Ouais. J'ai eu le temps de me détacher de ça. J'ai eu le temps, tu vois, de passer à autre chose, quoi. J'ai décidé de faire mon chemin, je reste tranquille par rapport à l'opportunité et moi, je continue à avancer. Mais ici, on a l'impression que c'est un truc dont j'avais envie, c'est un truc dont j'avais besoin, c'est. Non, pas besoin, envie plus. Tu vois, c'est comme si je voulais absolument avoir une seconde chance. Mais on a réellement cette sensation ici que pour certains. On vous demande de ne pas vous protéger. Bon, c'est seulement si, c'est encore. Mais pour certains, si on nous dit ça aujourd'hui, c'est que vous êtes encore dans cette optique. Donc, on a un rêve, un truc qui revient pour que tu puisses saisir ta deuxième chance, ta seconde chance. Parce que pour moi, il n'y en a pas eu 10 000. Hein. D'accord? C'était une fois, on ne s'est pas compris ou c'est mort et on a la deuxième. J'ai pas assuré une troisième. Mais en tout cas, là, c'est la deuxième. D'accord? C'est pas un truc. Pour certains ici, vous n'avez rien construit. On a l'impression que vous n'avez pas eu le temps. Et c'est ça, pour certains, vous n'avez pas eu le temps de faire des pas en avant. Vous êtes sacrifiés. Bon. On a ça. C'est spécial. Ouais. Donc ici. On voit que vous avez été déstabilisé de ce qui s'est passé, d'accord? J'ai continué à avancer. On a quelqu'un pour moi qui a aussi continué à avancer de son côté. Mais on parle d'une situation où. C'est comme si on te donnait des indications pour te dire c'est le bon moment où il faudra jouer ta carte là, où tu vois, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire si tu la veux encore, cette situation, ou en tout cas cette personne. Il y a un truc à faire si tu as encore envie de repartir sur de bonnes bases avec elle. On a l'impression que pour certains, vous n'allez rien comprendre sur le moment. J'ai l'impression qu'on sera un peu dans le flou parce que ben, ça me surprend déjà, tu vois, ce qu'on me dit, mais j'ai l'impression que. Tu sais, c'est comme si. Je me suis dit, j'allais plus retourner dans cette direction, j'allais plus refaire ça, ou j'allais plus, tu vois. Donc, du coup, ça va nous faire réfléchir pendant très longtemps. Mais on a réellement cette sensation ici que pour certains, c'est. Ça va nous casser en deux. Enfin, nous casser en deux, je m'entends. Tu vois, on sera partagé en deux. Est-ce que je décide de me baser sur une synchronicité, un rêve? Et en plus, que la dernière fois, ça s'est pas forcément bien passé? Ou est-ce que je décide juste de continuer ma route? Donc ici, pour certains, on aura un choix à faire. Mais en tout cas, sachez que là, on vous offre une nouvelle chance. Et c'est un défunt qui vous le dit. Ouais. Donc on a réellement l'impression ici que pour certains, on pensait que c'était quelque chose qui n'allait pas se manifester, ou on pensait que ce serait une situation où, tu vois, moi je prends mes distances, il n'y a pas de réussite, mais au fond de toi, tu le sais, en fait, qu'il y a une possibilité. D'accord?
Donc on te dit, tu as une carte à jouer avec une personne dans pas longtemps. Donc quand tu auras le rêve, la synchronicité ou le message, ou c'est comme la première fois. Ce qu'on essaie de nous faire comprendre pour certains, c'est que c'est comme la première fois et tu as eu tous les éléments pour que tu puisses comme mener à bien cette situation cette fois-ci. Je sais pas pourquoi. Mais j'espère que vous comprendrez pour ceux qui sont dans le cas. Parce que c'est comme si on allait faire ben, deux fois le même rêve. Mais le truc dans la situation, c'est que ben on a l'impression que c'est. Enfin, je sais pas quoi, c'est pas rapproché, c'est pas comme si l'autre rêve, je l'avais fait le mois dernier, quoi. On a l'impression que l'autre rêve, on l'a fait, ça devait faire au moins un an. Mais on a l'impression que ce sont deux rêves marquants qui annoncent deux événements marquants de votre vie sentimentale. J'espère que vous allez comprendre, parce que même moi, c'est un peu complexe. Enfin, pour moi, c'est un peu complexe, peut-être pas pour vous. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.